pas de me souvenir, Gris-Gris, calme fantaisie. T'as pensé à nous? Des visages pâles doivent être des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'enfumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduque! Voilà, voilà, j'arrive! Bon, c'est quoi le souci? Voyez-vous-même... Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, ben, vous n'avez pas le choix. Bye bye! Oh! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, frère Faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle, beaucoup aimé les papioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, Coyote! Tu ne penses qu'à l'argent. Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai Faucon s'appellera désormais Vrai Faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hug, tunique jaune et frère peau rouge doivent s'unir contre tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requins hystériques et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, chef, les bisons sont de retour. Ah! Mes yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Bah, ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue, pour être un bon indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui le plus futé? C'est qui le plus musclé? C'est qui le plus branché? C'est qui le plus doué? Ouais! Vive le kit des vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamster souriant et fennec qui pue du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. La voie
Voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour le sorcier rebelle. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon ben, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frère plus fourchu que baguette de sorcier. Personne ne bouge. Vous venez voir de l'orage dans l'air. Ça s'est enrayé. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. T'as quel souvenir, Ectilibris, Calpe Fantaisie? T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Wow! Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Wow! Hé! Hey, regardez! J'ai inventé le caleçon dirigeable! Passer par-dessus le mur, si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous. Ah, ça c'est gonflé. C'est le mot. On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour. Un ver de terre géant. Les vers géants attaquent. Celui-là m'a l'air endormi. Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Ils sont indestructibles. Salut, Ming.
Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarrité? Du bâtiment. Par ici, par là maintenant. Plus par ici. Ramenez-les par là. Pas par là, pas par là. Ça remarche. Est-ce que les visages pâles à rayures ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon, la liberté! Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu, j'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe, regarde, il y a un menu vapeur ce soir. Moi j'en ai marre, quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ce pénitencier. Rassemblement. J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3 000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine. Nous, on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro. Et la nitro, c'est ça. Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi, m'évader? Oh, quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné, sautez! C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé! J'en veux encore! On y va, mollo, et tout ira bien. Dégage! Tourne!
La route va être longue. Non. On est hors de vue. On se taille. Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph. Ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Vic! Dommage qu'on n'ait pas nos pioches! Ah, de la limonade. Il y en a encore. Bah, il explose pas. Son estomac a dû dégrader la nitro. Ah ! Au moins, la voie est libre. Nous allons finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi ? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tolos qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais. Ah, bah enfin. Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Tu ne chantes pas, mais c'est Noël! Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe! Noël, c'est la pire des fêtes! Et le Père Noël, c'est une ordure!
Moi, hein, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà, la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Ben pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? C'est une excellente idée, George. Ce sera tellement plus chaleureux. Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Oui! Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Ah! Il neige! Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. L'impression qu'elle est un peu à l'envers. Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Je recommence. Là, elle est à l'endroit, Joe. Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, à s'évader. On y grimpe jusqu'en haut et hop là, on saute par-dessus le mur. Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Ouah, une nouvelle niche. C'est pour moi. Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois? T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. C'est toi, Avril, oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? La salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si, le hamburger de midi. C'est compris. Allez, va t'habiller. On va se planquer. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, les enfants, je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens, on s'évade là. Olé! Les Dalton se sont évadés. C'est celui-là le vrai. Alors, ben non, je vous jure, c'est moi. Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique. Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveiller ici. Oh, il voit rien là-dedans. Y a pas de lumière. Ben si, Joe. Chut, Avril, on va se faire. Alors, Père Noël, on a les boules? Je vous demande de numéros. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Avril. Et bien, où la sortie? La sortie, mais quelle sortie? Ben, celle par laquelle on s'évade! Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux.
Ça calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, oh, oh. Hein? Je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël! Vous m'avez ramené un cadeau? Avril, Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur, si on avait su que c'était vous. On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton! Exactement ce que je voulais! Oh, merci, Père Noël! Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh! J'ai le vertige, Joe! Ah! À trois, on saute! Trois! Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent lamentablement. Je suis une buse, la honte de la famille. Mais non, Joe. C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Ben alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il n'entend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort. Une pierre tombale. Un champ de fleurs. Oui, Joe, c'est bien. Qui se fane. Il n'a plus aucune énergie, ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer les crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. Hé, hey, j'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non, mais ça va pas! Va-t'en!
Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie. Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ses évasions réussisse, hein? Ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur! Oui, oh! Mais elle ne réussirait qu'à moitié. Ah. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Ah, cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, heureux, pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif, c'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça et... Non mais, c'est impossible, il a pris sa retraite. Oui, peut-être, mais... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient, lui. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Sortir! Laissez-moi le descendre! Je suis un directeur solitaire loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé! Batman!